Salut la famille, je m'appelle El Kabea. On va un peu parler pourquoi les Américains n'utilisent pas WhatsApp. Pourquoi les Américains n'utilisent pas WhatsApp? Ce sera une chose que quand tu vas venir ici, tu vas t'étonner, tu vas dire, wow, what? Tu vas dire, what? What? C'est eux qui ont utilisé, c'est eux qui ont créé le WhatsApp. Ils n'utilisent pas WhatsApp, c'est quoi? Donc ça sera vraiment la réalité. Pourquoi les Américains n'utilisent pas WhatsApp? Bon, on va commencer l'émission. Je voulais un peu que je puisse avoir un peu l'inspiration. C'est pas l'inspiration. Tout ce que je fais les études avant de. Si tu as aimé la chanson, c'est la chanson que j'ai aimée. Ça a attiré mon intention, l'intention que j'avais. La chanson, c'est ma chanson, c'est ma propre chanson. Ah, oh, tu chantes, oui. C'est en portugais. Vous pouvez mettre l'application Kazam pour savoir. La chanson, c'est sur YouTube, sur ma deuxième chaîne, sur toutes les plateformes musicales. Ok, merci papa, tu sais déjà chanter, ok, ça va. Pourquoi les Américains n'aiment pas utiliser WhatsApp? Quand j'étais venu ici aux États-Unis, les amis, je me demandais un peu, mais pourquoi... je vois toujours les gens, tu sais, nous, de d'autres pays, quand tu pars quelque part, il y a toujours les gens qui te donnent les numéros de téléphone. Appelle-moi sur WhatsApp, envoie-moi. Parce que c'est plus facile de s'appeler, s'envoyer des photos, tout ça. Mais ici, aux États-Unis, c'est pas comme ça. J'étais très dit, mais what? C'est vous qui ont créé WhatsApp et puis vous n'utilisez pas ça. C'est quoi ça? Parfois, je m'imaginais, je me disais peut-être les Américains se disent. Parce que c'est lui qui a créé WhatsApp. C'est comme si vous êtes au Congo. Et maintenant, peut-être, Martin Fayoul crée WhatsApp. Maintenant, est-ce que tu penses que les gens de Félix, c'est qu'ils vont utiliser WhatsApp là? Moi, je pensais dans ce contexte-là, peut-être, ils se méfient un peu du réseau. J'ai pensé, je ne dis pas c'est ça, j'ai pensé. Et puis, je me suis parce que je fais des recherches, j'ai compris ceci. Chez nous en Afrique, d'autres pays, c'est difficile pour se parler avec les dispos. Quand tu achètes les crédits, on te dit que tu as seulement 20 minutes ou bien 20 SMS pour envoyer avec les crédits que tu as. Mais ici aux États-Unis, on prend, même si tu payes le crédit par mois pour appeler, pour faire les SMS, c'est toujours limité. Sauf qu'ici aux États-Unis, c'est illimité. Depuis longtemps, c'est illimité. Quand tu vois les SMS, tu peux envoyer une photo ici, en SMS, tu peux envoyer quelqu'un beaucoup de choses. Il y a même des groupes, tu peux parler en groupe. Tu peux même parler en groupe ici, sur le SMS. Alors, un Américain, lui, il pense que l'SMS, ça coûte rien. Il utilise SMS et les WhatsApp. Ils sont pas trop WhatsApp, tu vois. Ils sont pas trop WhatsApp. Tu vois, les WhatsApp, c'est réseaux sociaux, donc même quand je parlais avec mon avocat la fois passée, je lui ai demandé est-ce que je peux t'envoyer sur WhatsApp. Il a trois numéros, il m'a dit que je n'ai pas WhatsApp. Un avocat n'a pas WhatsApp. Même les docteurs là où j'étais, lui utilise WhatsApp vraiment. Quand il me voit des messages, c'est toujours texto. Quand les mecs te demandent ton numéro de téléphone, quand ils vont t'envoyer un message, c'est seulement texto. Texto. Il n'y a pas au nom WhatsApp. Rien de ça. Il t'appelle, téléphone, si tu ne réponds pas, il t'envoie le message sur le texto normal. Et pour moi, c'était un peu bizarre. J'ai compris que c'est leur culture. Et chaque pays a une culture. Chaque pays a une façon de vivre. Il faut toujours s'adapter. Quand tu vas venir ici, le WhatsApp là, ça sera plus pour tes amis, pour tes frères au pays. Ici, tu vas rentrer avec les pays. Oh, tu vas envoyer avec un message. Oh, je vais envoyer audio. Les Américains aiment écrire, mon ami. Moi, je dois avec le blanc. Moi, dans ma chambre, lui, au salon, il m'écrit au texto. Peut-être pour m'appeler. Hey, Kingani. Tu
Souvent ces jours-là, les Américains aiment toujours écrire. Il faut essayer toutes choses écrites. Même pour parler avec l'avocat, il faut écrire. Ils aiment aussi les boîtes email. Les boîtes, ils sont forts. Écris-moi sur mon boîte email. Écris-moi sur mon texto. Donc, je sais pas si c'est là. Parce que chez nous, tu vois, en Afrique, c'est... les gens écrivent plus, hein. C'est toujours. Allô, tu vois ce jour-là, message vocal, et ils aiment écrire. Et quand tu vas venir ici pour s'habituer, s'adapter avec la, les Américains, il faut savoir écrire, envoyer les textos, les SMS, même pour l'hôpital, il faut avoir. Et ils envoient toujours les SMS. L'hôpital va t'envoyer les SMS, va t'envoyer les boîtes email. Alors il faut vraiment s'adapter. Bon, ça sera difficile pour toi quand tu vas venir ici. Ce sont les raisons pour lesquelles les Américains n'utilisent pas WhatsApp. Donc pour eux, WhatsApp, c'est. Ils n'ont pas de problème pour avoir une alternative d'utiliser WhatsApp. Donc c'est un peu ça. On va finir cette vidéo. Si tu as aimé, partager avec tes amis. Si tu as aimé cette chanson, tu peux partir sur YouTube. Tu écris E-L-K-B-A. Donc tu écris E, la lettre E, je ne sais pas si c'est comme ça. La lettre E. Tu mets la lettre L. L. Et puis tu écris mon nom K-B-A. L-K-B-A. Tu vas voir ces chansons, mes chansons. J'ai beaucoup supprimé quelques vidéos, mais j'ai encore quelques vidéos là-bas. Et je vais lancer une chanson. Le 30 juillet, une chanson que j'ai chantée pour ma fiancée. J'ai chanté pour ma fiancée. Ça n'a pas de problème. Alors, c'est un peu ça. On finit l'émission. On se revoit demain avec une autre vidéo. Cette chanson ici, ça dit Remets-moi mon diamant. Remets-moi mon diamant, Vanessa. Je vais expliquer cette chanson à la prochaine. Remets-moi mon diamant. Tu m'as volé mon diamant. Remets-moi mon diamant. Vanessa, remets-moi mon diamant.